Keno, il fait la rencontre de Hulk. Keno. Hulk. Voilà. Ça va, mon Keno, ça va, ça va. Keno, il a les ailes très basses, il a la trouille. Il connaît pas Hulk. Il est gentil, Hulk. Oh, il est gentil, Hulk. Ouais, il est gentil, Hulk. Oui, il est gentil. Bah oui, c'est un gros pépère qui est gentil. Ouais, mon Keno. Ouais, c'est bien ça. Ah. Voilà. Donc là, ça gueule, ça gueule, ça gueule parce que c'est l'heure des promenades. Et quand c'est l'heure des promenades, c'est moi, 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 moi. Mais en fait, c'est pas moi, tout le monde en même temps. C'est chacun leur tour. Ah, je suis poursuivie. Coucou Orlan. Ça va ma puce? Comment ça va ma belle? On va aller faire un petit tour, voir qu'il y a dans les parcs. Il fait beau aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait un petit vent frais, mais là, il fait meilleur. Donc, là, il y a Thaïs. Thaïs, elle va partir en famille d'accueil. Viens, ma Thaïs. Parce que Thaïs, c'est un chien de première catégorie, donc on ne peut pas la faire adopter réellement, mais elle va partir en famille d'accueil. Puis là, on a Max et Doucette. Il fait beau, oui. Tu me poursuis. Tu me poursuis. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah. Mais oui, mais je lui donne des friandises. Alors, quand elle me voit, elle me suit. Viens voir les copains, là. Ça va, Chouchou? Tu vas voir les copains, Orlan? Elle va pas venir. Elle vient jamais les voir comme ça. Elle va me faire japper tous les chiens. Ça va, la puce? Oh, bah, t'en fais un drôle de bruit, toi. Ah oui, elle a vu Orlan. Orlan, t'es chiante de venir narguer tout le monde. Non, c'est rien, c'est rien. Elle n'est pas contente. Allez, viens, on remonte, Orlan. Viens, viens, parce qu'on fait gueuler tout le monde. Allez. Remonte, remonte. Allez. Ça va. Oh. On les voit, ceux qui n'aiment pas les chats. Kitipi, canaille. Qu'est-ce que tu fais, canaille? Dis-moi, je me cache, personne ne me voit. Thank you.
Voilà, on est revenu dans la cuisine. Et elle m'a suivi, bien sûr, parce que regardez ce que je lui donne. Voilà, il existe des Dental Life pour les chats. Donc on en a eu un paquet en don, donc je l'ai réservé pour elle. On le cache. Et elle adore ça, hein. Elle adore. Oh, punaise que c'est bon. Ah, j'en donne 4 ou 5. Il ne marque pas sur le paquet combien il faut en donner. Alors, ma foi, ça nettoie les dents. Mais elle adore ça, hein. Ça pourrait s'en faire sa nourriture préférée, mais bon, c'est un peu calorique quand même. Déjà, t'es pas maigre, hein. C'est lui qui a cassé la gueule à Hulk. Jack, un petit merdeux de 1 an. Qui sait pas jouer. Qui sait pas quand s'arrête. Les choses bien quand s'arrête. Les choses mal dans le jeu avec le chien. Il monte vite en excitation et il fait la bagarre un peu trop fort. Mais on s'en va, hein. On s'arrange. Ben, assis. Assis. Voilà. On reste un petit peu tranquille. Ben oui. C'est comme ça chez nous. Mon Mokichou. Mokich. Ça va, mon loup? Oui. Ça va, mon Inca? Ça va, mon Inca? Inca, lui, c'est des hommes qu'il a peur. Enfin, de certains hommes, pas tous. Certaines postures, certaines... Il y en a un qui jappe et lui, il regarde vers la porte. Ah, mais c'est Orlan. Ça va. Il connaît les chats. Il n'y a pas de souci, lui, avec les chats. Mais vu qu'il y en a un qui jappe, comme Jack, par exemple, ça donne l'alerte et ça lui dit, en gros, c'est pas bien ce truc. Mais c'est Orlan, c'est rien, Inca. C'est rien. Là, ils sont tranquilles parce qu'ils viennent de faire leur petite promenade. On a nos petits, là. On a nos petits. Donc là, j'ai des petits, les plus petits du refuge en ce moment. J'ai Pupus. T'es toute crasseuse. Il y a Titeuf. Ah, Titeuf, il est excité comme un fou. Il a été toiletté. Il est tout beau. C'est un jeune fox terrier de 1 an. Il est excité. Et là, notre papy Tyson. Ouais. Titeuf, calme-toi. Non, t'es déjà été te promener. Chacun son tour. Hein? Bah oui, vous irez se promener tous les jours. Ah, ma belette. Oh, bah oui. Elle, ça devait être un ancien chien de chasse qui a passé sa vie attachée. Quand elle a été retrouvée, elle avait un collier. Sa vie avec les pics. Mais les pics à l'intérieur. Plus gros qu'elle, le truc. Et au bout, il y avait le restant d'une chaîne. Ça a dû casser. Et elle s'est barrée. Heureusement. Et puis, t'es arrivée chez nous. Au début, elle était complètement indifférente à nous. Et maintenant, c'est une mère câlin comme pas deux, quoi. Un amour, hein. Notre petit Raiko qui est sûr comme un pot. Pareil, il a bien progressé dans la communication avec nous. Hein. Enfin, nous aussi, surtout, dans la communication avec lui. Hein, mon Raiko? Oui, oui, monsieur, oui. Tout le temps les yeux très rouges, mais c'est normal, hein. En fait, c'est un boxeur albinos. C'est pour ça qu'il est sourd, comme beaucoup de boxeurs albinos. Et là, on a qui? On a qui, là? On a Hulk! Et oui, tout à l'heure, il était dans le bureau, mais je l'ai laissé tout seul. Avec ma collègue, il n'était pas tout seul, tout seul. Donc, du coup, il a fait pipi par terre. Alors, du coup, il l'a mis en parc. Tyson! Ça va, mon gros? Oui, mon chou. Attends, j'ai posé ma tasse de café. Oui, parce que... Eh, attention. Tu bois pas le café, hein, du chef, hein. Hein, mon Tyson? Viens là, mon chou. C'est très difficile de les photographier. Thank you.
Leur amener à manger tous les soirs. Et c'est dingue comme ils vous ont reconnu, hein. Non mais je pense que c'est rare en fait. Ah bon? Non, c'est pas... Ah mais ils vous ont reconnu direct, hein. Parce qu'ils sont arrivés là, ils étaient là-bas. Dès que vous êtes arrivés, il y en a un qui a donné l'alerte. Ah oui? Ah, ils sont tous venus, hein. Non mais c'est une dernière en fait. Ah ouais, mais ils ont de la mémoire, hein. On vient de vivre un sacré moment avec Hulk, hein. Les gens qui arrivent, et là, toute la basse-cour, elle s'est mise à hurler et à rire. Et ils m'ont dit, les gens, ils n'étaient pas venus depuis une semaine. Hein. Je crois que je vous l'ai dit en voix off. Donc là, on arrive vers l'étang. Donc là, avec Elios, la première fois que j'avais récupéré du refuge, je l'avais emmené, j'en emmenais beaucoup ici. J'ai fini dans l'étang, là. Parce que j'y allais comme avec Hulk, un petit peu en confiance. Puis quand il a vu les bestioles, il m'a tiré un grand coup. Il a plongé dans l'eau et moi avec. Bon, à cet endroit-là, c'est pas profond, heureusement. Bon, les oiseaux, les canards, les cygnes, tout ça, ils s'étaient barrés. Hein. Mais j'ai pas lâché la laisse. Hein. Il les a pas encore vus, parce qu'il a le nez par terre, là, il est en train de dornifler. Donc le but, c'est de passer devant et de faire comme si c'était normal, en fait. Viens, Hulk, viens. Et voilà. Comme si c'était normal, il y en a partout. Là, il y a une petite crue, ça fait un petit lac de l'autre côté. Et là aussi, il y a des canards. Alors, eux, ils sont pas paniqués. Les chiens, ils en voient tout le temps. Donc, ils s'éloignent même pas du bord. Vous voyez, les cygnes, ils sont toujours là. Hein. Ils sont pas éloignés. Des fois, ils sont au milieu de la route. Hein. Enfin, du passage, debout. Parce qu'eux, ils ont l'habitude. Petites poules d'eau. Bonjour à tous. Donc on est le dimanche 10 mars et contre toute attente, on a un ciel magnifique. Il fait du soleil. On va aller faire un petit tour dehors. Le gros, il faisait la sieste, il ronflait comme une patate. Pourquoi on dit ça, ronfler comme une patate? Bon, on s'en fout. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. Et j'ai dit, allez, on va aller dehors, on va aller planter les fleurs que j'ai reçues de chez Promesse de Fleurs. Et je sais vraiment pas où les mettre. Depuis tout à l'heure, je tourne, je vire dans le jardin et je sais pas trop. J'ai des idées, mais c'est la camomille que je sais pas trop où mettre. Parce que faut que je fasse en conséquence de... Je vous tourne. De ici va venir la cage de Max et Lola. Ici, elle sera bien exposée parce qu'elle aura le soleil le matin, l'ombre l'après-midi. Comme eux, ils vont rester dehors toute la belle saison, jour et nuit. Pour que le matin il y ait du soleil et que l'après-midi s'il fait chaud ils aient de l'ombre. C'est pas comme Keno que je peux mettre et enlever au guise du temps. Oh là là, j'en invente aujourd'hui. Hein. Donc j'avais pensé me faire un petit coin fleuri ici. Sachant qu'ici, là, c'est encore le soleil d'hiver, donc c'est à l'ombre. Mais l'été, c'est pratiquement plein cagnard tout le temps. Du moins l'après-midi. Là, j'ai la sauge que je vais planter en terre, sauge arbustive.
Ouais, je vais faire ça. C'est un petit peu une place perdue, là. Bon, j'ai mis mon bain de soleil, mais mon bain de soleil, je le mets plus là. Pour qu'à la belle saison, je puisse m'en profiter. Donc, on va faire ça, Hulk. Hein? Hein, Hulk? On va faire ça? Ouais. Thank you.
fini. Je vous montre ma fenêtre. Pourquoi? Parce que de ma fenêtre, je vois le printemps. J'ai ressorti mes deux pots de bulbes avec les narcisses, entre autres, qui sont venus. Le printemps, trop joli, les petits narcisses. Parce qu'ils étaient là au départ et... Hulk. Vous voulez manger les feuilles? Donc du coup, je les avais enfermés dans la cage à Keno. Maintenant, il a compris qu'il fallait pas toucher et je ne peux plus remettre mes petits pots pour les voir de ma fenêtre quand il fait pas beau. Il faut que je les tourne dans l'autre sens, là, que je les voie bien. Voilà. Après, je vais avoir les tulipes, un petit bouton encore de narcisse, si voilà. Donc, je vous montre mon travail de cet après-midi. C'est 5h30. Je commence à sentir le frais. Donc là, j'ai semé des soleils d'automne, le sol. J'en ai mis là tout le long. Donc je vais les semer sur 15 jours. Toutes les semaines, je vais essayer d'en semer à droite, à gauche. Parce que parfois, la terre est trop froide et c'est trop tôt, la graine pourrit. Parfois, les oiseaux les mangent. Donc je vais y aller tout doucement. Et je m'en mets à plusieurs endroits. Et l'endroit où l'année dernière j'avais eu le plus beau soleil, c'était à un endroit où j'avais pas semé. J'avais simplement jeté la gamelle d'eau du kéno, où il n'y avait rien à voir dedans. Et il s'était mis à pousser le long de la voie ferrée là-bas. D'ailleurs, j'ai tenté d'en remettre là-bas. Là, j'ai mis l'anémone japonaise. Donc, j'ai voulu la mettre à part du massif, parce que mon massif est petit. Je trouvais qu'il y avait assez de choses. Pour le moment, parce qu'il faut savoir que c'est des vivaces. Donc là, je vais boucher les trous, les endroits où il n'y a rien. Là, je vais mettre des petits godets d'annuels ou je ne sais quoi. Là, c'est provisoire. Les pierres, tout ça, c'est provisoire. J'ai tout ramené, plein de choses, et puis je fais quelque chose après. Donc, j'ai pas mis, je pense, de trucs pour éviter que l'herbe elle pousse. Mais bon, c'est normal parce que je veux que ça s'étale. Non, ça sera pas bien que je fasse ça. Donc là, j'ai l'achillée vivace, la giroflée vivace, la sauge arbustive. Et ça, c'est ma camomille. J'en ai mis à deux endroits la camomille romaine. J'ai rajouté un petit peu de sable au pied parce que ça, elle aime bien. Et j'ai parsemé des cacas de... Ça, c'est le secret quand vous plantez des choses que votre chien va venir creuser. Mais avec... il se demande qu'est-ce que vous cherchiez dans la terre, en fait. Vous parpouillez la terre, eux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle cherche là-dedans? Donc, ils viennent après creuser à votre place. Donc, du coup, en parsemant un petit peu des cacas à fleurs de terre, des petits morceaux par-ci, par-là... Eh ben, il a pas trop envie. Parce qu'il se dit, punaise, en fait, elle cherchait, c'est dégueulasse. Donc, normalement, il touche pas. De temps en temps, faut renouveler le caca, bien sûr. Parce qu'après, ça sent moins son odeur, donc il fait moins attention. Et il est en train de jouer. Comme un fou! Il fait le foufou! Il est où le jouet? Va chercher le jouet. Il est où le jouet? Il est où le jouet? Là-bas. Va chercher le jouet. Tiens. Ouh. Hop là. Il est où le jouet? Il est où le jouet? Après, on va aller manger gamelle. Hein? On va aller manger gamelle. C'est le jouet. Attends. Il n'y a pas beaucoup de place là pour courir. Hein. Heureusement, je l'emmène au refuge, il court dans les parcs un petit peu plus. Mais bon, c'est de faire le singe, lui, qui l'amuse. Pas de faire des kilomètres. Hein. Alors, de temps en temps, il court là, comme un fou, tout seul. Hein. Et après, il fait le tour de la maison tout en courant. Ça lui fait 5 minutes de folie, en fait. Puis après, tout calme. Tout calme après. On va aller manger. Tu as mangé gamelle? On va aller manger gamelle. J'ai enfin coupé le miscanthus.
Normalement, il doit repousser, j'espère. Parce qu'il est dans un pot assez grand. Il a été bien, bien trempé. Peut-être que je devrais le passer en terre s'il résiste, parce que en pot, ils sont quand même moins protégés du gel, même si ça, ça résiste au gel. Bon, après, dedans, c'est vert, hein. C'est vert. Donc, je suppose qu'il va revivre. Je suppose. Allez, on va aller voir Keno. Coucou mon Keno. Il y a ma maman. Hein? Viens voir maman. Attends, j'ai ma serviette sur la... Je me suis fait une douche. J'ai ma serviette sur la tête. Et du coup, elle tombe. Viens mon Keno, viens. Voilà. Alors, j'arrive à filmer. Donc, je vous emmène dans ma chambre. Avec mon lit pas fait, parce que je l'ai fait aérer. Il fait sombre, il fait sombre. Attends, viens là. Voilà. Non, moi mieux. Ma Keno, il est sur le lit, du coup. Oui, aujourd'hui, on est dimanche, j'ai pas fait mon lit. Je laisse un peu moins aéré. Je voulais vous montrer mon pull. Donc, lui, il est sec, hein. Je l'ai bloqué. Et on le bloque sur un tapis en mousse pour qu'il garde la forme qu'on désire. Donc demain, je vais le mettre pour la première fois. Et donc, attendez, je vous pose. Je vais déjà l'enlever du bloqueur. Voilà. Ah. Oui. Voilà. Donc là, je suis en peignoir. J'enlève les bloqueurs. Il n'est pas très long, je ne le voulais pas très long. Exprès. Je ne voulais pas crop non plus. Pas trop court, pas trop long. En fait, je ne sais même pas où il me descend. On verra ça. Allez, hop. Et je ne voulais pas tirer les manches, elles étaient suffisamment longues. Mais je voulais surtout qu'il parce que j'avais l'impression qu'il était court quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai tiré un petit peu en longueur. Voilà. Donc tout ça, c'est du matos de Temu. Hein. Oui, il est sec. Oh, il est doux. Il est plus doux avant que je le lave. Parce qu'il y a du mohair dedans. Mais c'est du mohair de chez Drops. Et puis, j'avais l'impression qu'il piquait un petit peu au départ. Mais non, en fait, il est doux. Trop bien. Trop, trop bien. Et là, je suis en train de me faire une écharpe, mais qu'avec cette laine. Pour aller avec. Parce que comme c'est pas un col roulé... Bon, j'ai encore un petit fil à rentrer là, mais je l'ai laissé exprès parce qu'il ne passe pas, non. On voit que c'est l'arrière comme ça. Après, on y voit que c'est l'arrière hein, parce qu'il y a un col qui descend un peu plus. Donc, nickel. Je vais pouvoir ranger tout ça. Ça va mon Keno? Ça va mon Keno? T'es bien sur le lit de maman? T'es jopille hein? T'es jopille sur le lit? Hein, tu jopilles sur le lit. Viens, tu veux venir? Ah, elle veut venir. Ah, elle veut venir vers sa maman. Elle veut venir vers sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu racontes rien, hein? Tu racontes rien, hein? Ah oui. Vous voyez, et je suis en peignoir, hein? C'est pire que d'habitude. Puis je vous montre pas la tête parce que je suis pas... Eh, faut j'aille me démêler les cheveux. Là, j'en ai pour un petit moment. Parce que j'ai plus de démêlant. Il faut que je m'en refasse. Ouais, il faut qu'on refasse du démêlant.
Il commence à faire sombre, hein. C'est bientôt l'heure d'aller au dodo. Non, là, c'est le perchoir, là. Voilà. Allez, bientôt au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit, les poussins. Qui c'est qui fait cochon pendu? C'est Max. C'est Max qui fait cochon pendu. Bonne nuit, ma Lola. Bonne nuit, ma Lola. À demain. À demain. Depuis tout à l'heure, je filme. Ça fait deux fois que je la joue aujourd'hui. Oh, deux fois quand même. Je disais que j'avais plus d'après-shampoing, que je devais m'en refaire, mais que j'avais de la brume. Ça, je vous l'avais filmé, sauf que j'ai effacé la vidéo quand je l'ai faite. J'ai cru que je l'avais transférée sur mon PC, etc. Et en fait, je l'avais effacée. En règle générale, dedans, en base principale, je mets de l'hydrolat, de fleurs, d'autres choses, ce qui me reste dans mes bouteilles. Je mets de la glycérine un petit peu, du gel d'aloe vera, un peu de fragrance pour que ça sente bon, donc des fragrances bonnes, hein, pas des fragrances de daube, que j'achète chez Aromatizy ou à la Folie des Senteurs. Ils ont des fragrances OK cosmétiques qui sont souvent pas du bio, parce que ça n'existe pas les fragrances bio, mais presque, voilà. Sans trop de cochonnerie dedans, en fait. C'est là que j'ai trouvé quand même qu'il y avait... en même temps, on peut trier pour enlever tout ce qui est CMR, tout ça, pour avoir... Il y a un filtre dans la recherche. Et ça, c'est top. Qu'est-ce que j'ai mis encore dedans? J'ai mis peut-être la protéine de soie. Enfin, je mets ce que j'ai comme actif sous la main. Et, et je m'en sers. Oh, mais si vous savez quoi, j'ai avalé ma salive de travers, en fait. Hein. C'est pas, je suis pas malade aujourd'hui, ça va. Je m'en sers souvent le matin. Je me nettoie le visage et après, je vaporise. Ça m'a mis dans la bouche. Et je peux y boire, hein, ça va pas m'empoisonner. Et je m'en mets aussi sur mes cheveux juste avant de les brosser. Quand ils sont secs, je les brosse. Et après, je vaporise pour enlever, parce que quand on brosse, ça fait... Vous savez, ça fait trop bien peigné. Et moi, j'aime bien être mal peigné. Vous avez dû remarquer déjà. Et du coup, j'en mets, et comme ça, ça les froisse un petit peu. Et je me dis, pourquoi pas essayer de te mêler les cheveux, mais mets que ça sur les cheveux mouillés, tu verras. Eh bien, nickel. Bah oui, nickel. Le peigne que j'utilise pour me démêler, donc moi, je fais ça. Hop, je démêle le bout. Après, je vais plus haut, etc., etc. Bon, là, j'ai déjà fait. Hein. Et ce peigne-là, je crois que j'avais acheté à Leclerc. Pas sûr, mais je crois que ça fait des années que je l'ai. Et il est bien parce qu'il est un peu souple, pas trop. Les dents sont écartées, pas trop, ni trop serrées. Et moi, je me démêle en deux-deux avec celui-là. Les cheveux mouillés, c'est peigne. Les cheveux secs, c'est brosse. Donc, j'ai une brosse en poils de bébête. Voilà. Mais je vais quand même refaire mon démêlant parce que en crème, je me fais une crème démêlante. Une fois dans la semaine, j'aime bien quand même me faire un petit démêlant qui fait masque en même temps si je veux laisser poser un petit peu plus longtemps, etc. Et je fais rarement la même recette, mais la base est toujours à peu près la même. J'ai une cire végétale, j'ai du lait d'avoine que je fais avec les flocons d'avoine que j'ai laissé tremper dans l'eau toute la nuit. C'est très bon pour les cheveux, le lait d'avoine. Et puis, des beurres divers et variés selon mes envies. Moi, j'utilise rarement tout le temps la même chose. Je fais des recettes un peu différentes, avec des odeurs différentes. Comme ça, j'ai l'impression tout le temps de changer. Ça, j'aime bien. Voilà. Bon, allez, je me sèche les cheveux et après, je vais manger parce que j'ai une faim de louve. Et je ne sais pas ce que je vais manger encore. Il me reste de la soupe. Ouais. La soupe, ça sera l'entrée hein, parce que j'ai trop faim. Et puis... Les harengs fumés. Ah, j'adore les harengs fumés. Avec des pâtes. Ouais. Ah ouais, je vais manger ça. Et après, je vais tricoter parce que je me suis fait un petit châle, comme je vous ai dit, une petite écharpe châle pour mettre avec mon pull. Et j'en suis à la moitié, pile la moitié. Je voudrais la faire pour demain.
Si je tricote jusqu'à 4 heures du matin, je pense que je vais y arriver. Mais là, c'est bien parce que je vais attaquer la partie où on diminue. Donc, plus je vais avancer, moins j'aurai de mailles. Donc, c'est possible. Vu que j'ai mis 2 jours pour faire l'augmentation et toute la moitié avec en augmentant, peut-être. Allez. Mais si je discute pendant 3 heures, c'est sûr que j'avance pas. Voilà, j'ai les cheveux séchés. Donc, je vais vous montrer quand même que avec que du naturel, avec des produits qui ont 0% de produits chimiques, du zéro déchet aussi. Parce que moi, c'est les savons, je les fais avec des... Je vous vois là et je vous vois là, donc je n'ai pas regardé, hein, peu importe. Avec des plantes, des poudres de plantes. Le seul produit que je mets quand même en petite quantité, en quantité suffisante pour que ça lave, bien. Parce que les plantes, certaines, le shikakai lave, mais pas très bien. Et moi, quand même, je veux que ça lave. C'est le tensioactif. Donc, le tensioactif, je prends le SLMI. C'est un tensioactif qui est le plus doux et le moins controversé. Voilà. Pour moi. Pour moi. D'après mes lectures. Le SCS, c'est le pire. Donc, celui-là, je l'utilise, mais non, pour faire ma vaisselle. Et il est toujours moins mauvais que ce qu'ils vous mettent dans vos produits à vaisselle. Et c'est toujours moins mauvais que ce qu'ils mettent dans vos shampoings. Parce que alors là, vous n'avez qu'à regarder la liste hein, de vos shampoings. Moi, là-dedans, c'est 5 ou 6 ingrédients grand maximum. Parce que des fois, je mets 3 poudres différentes. Le tensioactif, un peu de beurre ou d'huile. Des beurres végétaux, des huiles végétales, puis de l'eau. Voilà. Puis mon petit savon, là, je m'en fais, je l'ai fait une fois dans l'année, hein. J'en fais 4 ou 5 et ça me dure. Là, il y a au moins 3 mois que je l'ai. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Et mes couleurs, pareil. Bon, moi, je prends les couleurs à base de plantes. Vous voyez, voilà. J'ai un cheveu potable, on peut dire, avec une couleur brillante. Voilà. Et c'était tout. J'en reviens parce que moi, je fais que des... Parfois, on me dit, mais on peut faire des shampoings liquides avec des produits à peu près propres. Mais dans les shampoings liquides, vous mettez pas de plantes, en fait. Vous mettez que des huiles et des tensioactifs. Pas mal de tensioactifs. Même des tensioactifs écolo, etc., c'est quand même des tensioactifs, donc on n'en met pas des tonnes, quoi. Donc, moi, je préfère les solides. Et quand je les fais, j'en fais quelques-uns d'avance parce que c'est bien de les laisser mûrir. Pas les mois, mais moi, j'attends quand même minimum, grand minimum, une semaine avant de les utiliser. Parce qu'ils ils sont pas plus mauvais hein, si vous utilisez avant, mais ils se défont beaucoup plus vite. Ils fondent beaucoup plus vite. Celui-là, là, que je vous ai montré, à peu près 6 mois que je l'ai fait. À peu près environ 6 mois. Et ça fait 2 mois que je l'utilise. Ouais. Donc, il avait mûri 4 mois. Donc, c'était bien. Parce qu'il va super bien. Voilà. C'est tout. Coucou, ça y est. Premier pull fini. Je suis contente. Et il est tout doux. Les manches sont nickel. À la même taille. La longueur, ça va. Je ne voulais pas trop long. Je ne voulais pas trop court. Mais c'est bien. J'aime bien. Ah, je suis super contente. Ben oui. Eh, puis tiens chaud. Pas extrêmement chaud parce que c'est que de la laine pas très épaisse quand même. Avec du mohair, même c'est mohair, il tient chaud quand même. Mais pour les saisons comme on a là, juste avec un petit sous-pull en coton en dessous, parce que je porte pas jamais mes pulls à même la peau, parce que je les lave pas à chaque fois que je les porte en fait. Encore moins les pulls en laine. Les pulls en laine, en fait, on les met en vraie laine, hein. On les met dehors aérés, et puis ils sont tout frais, tout propres, tout neufs comme. Comme rien. C'est pas comme de l'acrylique qui va garder les odeurs. Voilà.
Et ben sinon, tout va bien. Aujourd'hui, je vais aller me balader un petit peu sur Lyon. Je ne vais pas faire les magasins, hein. Je vais en réunion. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Allez, bye bye.